Ils ne nous trouveront pas ici. Cette rue est enveloppée d'un glyphe de dissimulation. Mais ne vous y trompez pas. Si vous ne faites pas attention, ils vous retrouveront. Le conseil peut vous brûler vif avant que vous ne les ayez aperçus. Si vous ne voulez pas que cette semaine soit votre dernière ici-bas, vous devez apprendre à vous défendre. Je vais vous enseigner les principes du duel. La ville cache diverses arènes de duel. Vous êtes probablement passé devant des centaines de fois sans jamais le savoir. Nous devons protéger leurs emplacements coûte que coûte, car le conseil est toujours à l'affût. Et les duellistes qu'ils ont trouvés y ont laissé la vie. Mais ceux d'entre nous qui survivent deviennent plus forts. Et un jour, le conseil sera en proie à d'atroces souffrances. Êtes-vous prêts? Voyons voir de quoi vous êtes capable. Ouvrez votre esprit. Tendez la main. Sentez les énergies primaires affluer en vous. Maintenant, allumez une boule de feu. Imaginez que ces orbes cherchent à disperser vos atomes à travers le voile. Que feriez-vous? Chargez vos boules de feu pour une attaque plus puissante. Regardez votre cible pour améliorer la précision de votre lancer. Félicitations. Maintenant, voyons si vous savez vous défendre. Formez un bouclier. Votre bouclier se brise en cas de surcharge et se reforme progressivement. Bien, maintenant attention, ce sont de vrais boules de feu. Parez avec le centre de votre bouclier pour renvoyer les sorts vers votre prometteur. Un placement judicieux est essentiel pour survivre. Voyons comment vous vous déplacez. Les anciens piédestaux indiquent les passages via le plan astral. Maintenez pour afficher les portails. Ciblez pour sélectionner un portail. Relâchez pour vous téléporter. Revenez à votre piédestal initial. Excellent. Perfectionnez vos déplacements et lancez vos sorts primaires, boules de feu et bouclier. Rejoignez-moi quand vous serez prêt à continuer. Les sorts primaires sont toujours disponibles, mais il existe d'autres sorts, plus puissants. La ville dégage une énergie magique sous la forme de tisons. Transitez vers un piédestal pour collecter les tisons bleus. Les tisons se matérialisent dans votre environnement. Les lanceurs de sorts canalisent des tisons pour lancer de puissants sorts de geste. Canalisez leur énergie pour préparer un sort. Puis propulsion, salve ou protection. Ces trois gestes constituent la base de l'arsenal de tout lanceur de sorts. Tout d'abord, le geste de propulsion. D'abord, joignez les mains pour former la pose. Maintenant, concentrez votre énergie pour charger, propulser le sort pour le lancer.
Le geste de propulsion transforme les tisons en une force étonnamment destructrice. Bien, maintenant, tendez les mains en l'air et écartez-les pour invoquer une salve. Concentrez, touchez pour lancer la salve. Prometteur. Les sorts de salve sont pratiquement impossibles à éviter. Le geste de protection neutralise les sorts de votre adversaire. Croisez les mains pour préparer une barrière. Concentrez. Maintenant, décroisez les mains pour créer la barrière. Excellent. Propulsion, salve, protection. Ces trois sorts de gestes sont indispensables aux lanceurs de sorts. Maintenant, exercez-vous à ces gestes. Rejoignez-moi quand vous serez prêt à continuer. Vous devez aussi maîtriser les subtilités du duel. Suivez-moi. Les tisons de votre adversaire vous apparaissent sous la forme d'une énergie rouge. Tout bon lanceur de sorts brise les tisons avant que les adversaires ne puissent les collecter. Brisez les tisons. Bien, un sort non lancé n'a pas besoin d'être contré. Il est temps de relever un véritable défi. Voici Lénore, mon serviteur. Je l'ai prié de ne pas vous tuer, mais il n'en fait qu'à sa tête. Combattez.
Félicitations. Vous avez fait la preuve de vos compétences. Et merci à Elinor de ne pas avoir tué mon acolyte novice, cette fois-ci. Rejoignez-moi quand vous serez prêt à continuer. À eux seuls, les sorts primaires et de gestes suffisent contre les adversaires humains. La victoire repose sur la préparation. Venez près de moi. Les artefacts sont de puissants objets, imprégnés de magie. Regardez vers le sol, vous avez obtenu un nouvel artefact. Prenez le marteau. Lancez le javelot. Le javelot est incomparable pour briser des boucliers, mais il exige une grande habileté. Ces objets flottent juste sous vos yeux, à portée de main. Retenez bien que les artefacts ne peuvent lancer leur sort qu'une seule fois avant de disparaître. Exercez-vous avec les artefacts. Rejoignez-moi quand vous serez prêt à continuer. Prêt à tester vos compétences dans l'arène. Mais d'abord, voulez-vous que je vous dise un secret? Suivez-moi. Les lanceurs de sorts peuvent éveiller de puissants spectres de leur sommeil éternel. C'est un œil de spectre. En son cœur repose un allié dévastateur. Brisez l'œil de spectre. Regardez vers le sol, vous avez récupéré une effigie de spectre. Assemblez les pièces pour invoquer le spectre. Vous avez mis Elinor en rogne. Il veut vous bannir dans la dimension du chaos enflammé du grand tout. Combattez.
Mais retenez bien, vous êtes encore en danger. Le Conseil est toujours à votre recherche. Avec un peu de temps, je pourrais dissimuler votre domicile et vous effacer des registres. Votre seul espoir de survie est d'entrer dans la clandestinité, comme nous autres. Suivez-moi. Les lanceurs de sorts s'affrontent en duel dans des arènes occultes à travers la ville. Je veux que vous deveniez mon acolyte. En retour, je vous aiderai à vous cacher du Conseil. Mais avant de commencer... Votre demeure est maintenant dissimulée. J'ai redécoré votre intérieur. Placez-vous sur mon repère, je vais vous montrer. Plus vos connaissances s'approfondiront, plus vous maîtriserez de classes de magie. Choisissez votre classe et vos artefacts dans ce cabinet de curiosité. Lors de vos duels, vous gagnerez de nouveaux artefacts. Équipez-vous-en ici. Rejoignez-moi quand vous serez prêt à continuer. Votre télévision finira par recevoir des transmissions par-delà le voile. Pour le moment, elle n'affiche que des secrets de duel, et rien d'autre. Il faut trancher votre lien avec le monde physique. Rejoignez-moi quand vous serez prêt à continuer. Votre table cartographique vous transporte aux emplacements cachés dans la ville. Vous allez devoir vous débrouiller par vos propres moyens. À vous de choisir de vous battre seul ou de relever le défi de la reine. Mon serviteur vous tient à l'œil. Je vous contacterai. Consultez souvent vos messages. Je vous contacterai de manière interdimensionnelle, c'est le plus sûr. Au revoir.
Une sombre présence se profile derrière le voile ce soir. Restez sur vos gardes. Invocations démoniaques. Bannissez-les et atteignez le sanctuaire d'Anton tant que son corps est encore chaud. Je peux vous aider à invoquer de l'essence de guérison et de puissants artefacts. Détruisez le récipient pour collecter de l'essence de guérison. Je détecte les traces d'une puissante magie. Soyez prudent, c'est dangereux ici. Un automate, créé par un enchantement. Mais par qui ? Les démons ont été invoqués pour nous arrêter net dans nos recherches. Renvoyez-les dans le vide.
l'ennemi est grand ouvert. Et ce n'est pas un hasard. Vous risquez de vous faire déborder. Protégez-vous avec votre bouclier en verre plat pour repousser. Le centre de votre bouclier renvoie les tirs vers votre assaillant. Sanctuaire d'Anton avant qu'il ne soit envahi. Bien, vous êtes à l'intérieur. Anton méritait mieux que ça. Consultez ses recherches. Elles pourraient bien révéler des détails sur les desseins de son meurtrier. L'insigne de la chambre du conseil? Mais que manigançait-il donc? Envisageait-il vraiment d'aller là-bas? Une effigie de spectre, que manigançait-il? Les archives d'Anton. Il a toujours été dangereusement curieux. Il n'a jamais su où s'arrêter. Rentrez chez vous, vite!